Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau live concernant donc la rétromurise et donc le chapitre 93 de cette rubrique que je suis ravi donc de présenter aujourd'hui pour donc revenir sur, je dirais, l'un des films essentiels en termes de film carcéral, l'un des meilleurs du genre en tout cas pour moi, un film qui compte beaucoup dans la filmographie d'un certain acteur, évidemment un géant du cinéma, alias Robert Redford. Et Robert Redford est un acteur dont on ne parle plus assez, malheureusement, qui a quand même une carrière absolument époustouflante, en tout cas en termes de choix de rôle. Et je trouve que c'est un personnage vraiment emblématique quand même du cinéma du Hollywood des années 60, puisqu'il a commandé, il a commencé fin des années 60, au courant des années 60, avec un film comme La Poursuite impitoyable d'Arthur Penn. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler d'un film quand même qui compte beaucoup quand même dans sa filmographie, qui est donc Brubaker. Brubaker, donc réalisé par Stuart Rosenberg, réalisateur aussi très intéressant, hein, qui a fait à peu près une quinzaine de films. Et voilà, donc il fallait absolument, bah, comme toujours dans Retro Movies, bah, continuer à piocher un peu dans le cinéma de genre que je préfère, hein, celui des années, des décennies pour moi, de l'âge d'or du cinéma international, hein, c'est pas que des films américains, évidemment, vous en doutez bien. Et ce soir, j'ai le plaisir donc de pouvoir parler de ce film. Mais avant cela, je vais quand même saluer les personnes qui sont présentes sur le chat, comme Grégory. Salut à toi, Grégory, mon cher Grégory, ainsi que Thierry, bien sûr, Thierry qui était là bien avant, qui doit partir, si je crois, à 18h30 pour un match. Voilà, bah écoute, tu fais comme tu peux, mon cher Thierry, il n'y a pas de souci. Thierry, que j'inviterai bientôt sur un thème très important de la chaîne, qui est donc le Politiesco, ou Poetiesco, comme vous voulez, qui est donc parler du Polar bis à l'italienne. Donc, ces films qui ont bien sûr compté aussi dans le cinéma de genre italien de la grande époque. Voilà, donc maintenant, voici comment va se dérouler cette petite vidéo. Donc, cette vidéo ne durera pas plus d'une heure, hein. C'est juste pour vous présenter bien sûr à chaque fois un film en particulier que j'ai quand même aimé. La base, c'est quand même de parler des films que j'aime, comme je le répète souvent, et qui ont compté en tout cas à mes yeux quand je les ai découverts. Et comme tu dis, bien sûr, Thierry, on parle trop peu de Poliziesco, évidemment, et il y a énormément de choses à dire sur ce genre. Mais pour revenir à Brubaker, aujourd'hui, l'important, c'est de vous parler quand même de ce film de prison, comme j'ai dit, qui est sorti en 1980, donc réalisé par Stuart Rosenberg. Donc je vous propose de revenir d'abord sur l'histoire, ensuite on va développer les personnages, le contexte, le traitement en fait aussi de l'histoire, ce dont ça parle, et surtout, je dirais, le fond et la morale de cette histoire, qui est quand même assez pertinente quand même dans le genre, parce que ça parle quand même de la corruption dans les prisons de par les institutions. Et c'est vrai que c'est un film qui marque son époque, évidemment, puisque, en tout cas, au moment où sort ce film, en 1980, donc, il y avait donc une part aussi de la part du réalisateur et surtout des deux scénaristes, dont W. D. Richter, qui réalisera plus tard le fameux Buckaroo Banzai, de dénoncer en fait ce qui se passait en fait dans les prisons américaines au niveau des conditions de vie des prisonniers. Alors, c'est un film, comme je vous l'ai dit, donc, qui nous conte l'histoire. Alors, je vais quand même vous parler quand même de quoi ça parle. Alors, je spoilerai, hein, je vous dis, c'est spoil à 100%, hein, désolé, mais je suis obligé. Alors, je sais que Thierry ne l'a pas vu, donc Thierry, tu partiras à 6h30, donc tu ne seras pas spoilé. Mais en tout cas, je suis obligé quand même de parler quand même de la finalité de l'histoire, parce que c'est quand même un film. Voilà, il faut connaître. C'est dur d'en parler si on soulève pas un peu les vrais problèmes du film et ce dont le film donc traite en particulier. Donc voilà. Robert Redford joue ici l'histoire vraie en plus. Hein, j'ai oublié de préciser, c'est une histoire vraie. Donc l'histoire vraie de Tom Merton, donc un réformateur pénitentiaire, donc qui devient en fait le directeur d'une prison dans l'Arkansas, qui se fait passer donc sous le nom, qui prend le nom de Henry Brubaker. Évidemment, il va pas prendre son vrai nom. Il va se faire passer pour donc un prisonnier, voilà. Et donc, il va enquêter sur les abus et la corruption à l'intérieur de l'établissement. Donc, Brubaker donc, se fait passer pour un détenu, découvre rapidement un système corrompu,
où les prisonniers sont maltraités, exploités et même parfois assassinés, ouais, par les gardiens et les responsables de la prison. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs thèmes quand même autour du film Brubaker. C'est la corruption et la justice. Je dirais aussi la réforme, la rédemption, la lutte pour la justice. Voilà. Après, je vous parlais un peu du style et de la réalisation de Stuart Rosenberg, de l'interprétation, bien sûr, de la réception critique à l'époque de ce film. Voilà. Du contexte historique également. Alors attendez, je vais juste remettre des images quand même parce que ce serait dommage d'oublier de mettre l'essentiel. Voilà. Donc, je suis donc en audio aujourd'hui hein, parce que voilà, je pourrais très bien allumer ma petite webcam pour vous faire un coucou. Voilà, mais je n'ai pas spécialement envie de me montrer. Voilà, parce que je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi, tout ça. Donc, je préfère vous laisser ma voix pour vous parler de ce film. Voilà, pour vous parler de ce film comme il se doit. Voilà, donc n'hésitez pas également, je peux vous mettre aussi un petit lien si vous voulez juste ajouter votre pierre à l'édifice sur ce film. Vous pouvez venir bien sûr dire un petit mot sur le film à tout moment. En tout cas, là, moi, je vais continuer à vous parler de ce film. Et donc, la musique est donc signée Lalo Schifrin. Donc Lalo Schifrin est un compositeur assez connu, d'ailleurs, qui retravaillera avec Stuart Rosenberg sur Amityville, la maison du diable. Donc voilà, donc comme je dis, c'est un film qui va parler donc de la corruption dans les prisons à l'époque aux États-Unis. C'est un film vraiment très intelligent, très bien écrit, très bien interprété, bien sûr. Mais voilà, donc c'est un film qui dénonce un système corrompu, donc au niveau de, je dirais, ouais, des coulisses en fait de ce que représente en fait je dirais les instances de la justice et de ceux qu'ils emploient. Attendez juste un instant, moi je vais repasser en mode audio. Hop, salut les cocos. Voilà, donc je vais vous passer quelques images quand même aussi pour vous commenter le film tout en bien sûr mettant en valeur bah, les images du film. C'est important aussi. Alors, attendez juste un instant que je me remette dans le contexte. Voilà. Attendez juste un instant. Voilà. Donc, alors ce film, donc, comme je l'ai dit, est brillamment écrit par donc W. D. Richter ainsi que Arthur Ross. Donc, il est tiré d'un roman autobiographique, faut le savoir. Donc, d'après mes notes, hein, donc d'un roman, bah, justement, de celui qui s'est fait passer pour le prisonnier, alias Brubaker, Tom Merton. Voilà. Et puis, il y avait un co-auteur aussi. Je ne me souviens plus. Désolé, je ne l'ai pas noté celui-ci. C'est un roman qui a été publié en 69, donc vous voyez, le film a été adapté en 1980. Voilà, donc c'est aussi l'histoire surtout donc de ce Brubaker donc qui va essayer d'améliorer en fait les conditions de vie des pensionnaires de son établissement à lui, mais en voyant, en se faisant passer bien sûr pour un prisonnier, en faisant lui-même le constat de ce qui se passe vraiment à l'intérieur des prisons. Et en particulier de la part des dirigeants et des gardiens, etc. C'est un film absolument brillant, comme je l'ai dit, parce qu'il est vraiment minutieusement écrit. C'est un travail, encore une fois, pour moi, le meilleur cinéma américain de ces années-là, parce que, il y a quand même quelque chose de très soigné au niveau de la mise en scène, quand même. On est dans un film assez classique hein, au niveau de la mise en scène, du style de mise en peine. C'était quand même. On peut vraiment s'attarder sur le côté, je dirais, bien sûr, véridique de l'histoire, puisque le film est inspiré des réformes pénitentiaires entreprises dans l'Arkansas, selon mes notes, au cours des années 60-70. Donc, Tom Merton, sur lequel est basé le personnage de Brubaker, a été nommé directeur adjoint des prisons de l'État de l'Arkansas en 67. Donc, il découvre là des pratiques brutales et corrompues, y compris l'utilisation de la punition par le travail, les abus physiques et même les meurtres de détenus par les anges gardiens. Donc voilà, le personnage principal, c'est Henry Brubaker, inspiré de Tom Merton, bien sûr. Alors, Tom Merton, bien sûr, n'a pas le. Je veux dire, c'est justement le personnage qui a été inventé, Henry Brubaker, qui est inspiré donc de Tom Merton. Qui, dans le film, bien sûr, Brubaker, s'appelle Tom Merton également. Non, pardon, s'appelle Henry Brubaker. Tom Merton, c'est l'auteur bien sûr de cette histoire, voilà, dont est adapté le film. Alors,
Salut à Cookie Doug, bienvenue à toi Cookie. Voilà, je suis en pleine présentation, donc développement donc, de ce film Bo Baker de Stuart Rosenberg, sur lequel je reviendrai, je vous citerai un peu quelques films de ce monsieur quand même, qu'il ne faut pas oublier, qui a une filmo intéressante, on va dire, même s'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, celui-ci fait partie des meilleurs films de prison que j'ai pu voir largement. Voilà, donc. Attendez juste un instant, je vais vous mettre d'autres images quand même, parce que c'est aussi le but. Hein. Mais avant de continuer à développer sur le film, je vais quand même vous laisser assister, parce que je le fais toujours dans cette rubrique maintenant. Je vais vous montrer donc le petit trailer d'époque, la bande-annonce donc de ce Bo Baker. On se retrouve tout de suite après les amis. À tout de suite. Attendez juste un instant, il faut que j'enlève l'image et je vous mets ça tout de suite. Alors, juste, je vais recaler l'image, mais pour que ce soit visible de façon en plus large écran, évidemment, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Although Wakefield is admittedly an imperfect institution, much like America herself, she is nonetheless a grand experiment. I'm the man. I am the man. I'm the new warden here. My name is Henry Brubaker. I figure most of you guys belong here. Basically, you don't have any respect for other people or yourselves. What do you think of our new warden? I'm trying to get a fix on what his first order of business here is going to be. Blow the place up? He's dangerous. What the hell's the matter with you? You mean to tell me you're charging for medical attention? Get your hands off me! Start wars and you let other people fight them. Do not come marching in here from wherever the hell she found you and presume to lecture us about how to treat our fellow man. Must be over 200. Alors je coupe le trailer hein, parce que je préfère le passer en deux fois, on sait jamais. Les trailers trop longs, vous savez que ça peut être sanctionné sur YouTube, évidemment, sur les chaînes YouTube. Mais juste pour vous dire, je vous montrerai à la suite de l'extrait, voilà, je le coupe en deux fois. Donc pour vous situer un peu aussi les personnages, hein, ici on a pu voir donc Morgan Freeman tout jeune hein, dans ce film, voilà. Et puis on a vu également David Keith. On retrouve dans la distribution également Jane Alexander, hein, qui joue Lillian Gray. Je vous passe la suite tout de suite de cette bande-annonce que je divise en deux fois, c'est préférable. Voilà. Et bienvenue à Lily Fab. Qui nous rejoint. Alors, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien, si vous voulez dire un petit mot, donc, vers d'ici 5 minutes, 5-10 minutes, parce que moi, j'aurai fini ma présentation du film. J'ai encore des choses à vous dire un peu sur le film, évidemment. Je n'ai pas encore développé d'autres aspects du film sur lesquels je vais revenir, bien sûr, tout de suite. Alors, je vous passe la suite de la bande-annonce. Abraham, are you talking about the bodies that are supposed to be buried here? Somebody needs to stop them. How many men are buried out there? You wouldn't even know, would you? It's crazy. They're digging up bodies. That's murder they're talking about in there. And if they condone it, how are you going to turn around and tell these guys why they're locked up? Robert Redford, Brubaker. Alors, vous avez également pu reconnaître dans la bande-annonce, évidemment, un acteur qui se fera connaître en 81, juste après Brubaker, c'est Everett McGill, qu'on retrouvera évidemment dans d'autres films comme Peur Bleue ou Le Sous-sol de la peur de Wes Craven. Donc, Everett McGill, alors excusez-moi, je n'ai pas encore affiché vos commentaires, je suis désolé, parce que je n'ai pas fait attention. Alors, je vais les mettre au fur et à mesure. Voilà, il est excellent dans Homicide Life on the Streets. Merci Terry pour l'information. Cookie, voilà. Donc, je continue donc sur l'utilité pour moi de vous faire connaître ce film. C'est parce que, donc, comme j'ai dit, c'est un film qui dénonce un peu, je dirais, le système carcéral américain de l'époque à travers ses pratiques douteuses, notamment dans les prisons américaines et surtout au niveau des détenus, des conditions de vie des détenus. C'est un film vraiment brillant qui, lui, tape là où ça fait mal et c'est ça que j'aime bien beaucoup. J'aime quand des films basés sur des histoires vraies, donc n'édulcorent pas, je dirais, la vérité. Vraiment, et le roman de Tom Merton, d'après mes notes, est fidèlement adapté quand même par rapport au livre, par rapport à aussi ce qu'il a pu, lui, découvrir dans les prisons en se faisant passer pour un des prisonniers.
Donc, c'est vraiment un film pour moi qui vous fait découvrir, je dirais, l'envers du décor. Voilà, donc c'est pour ça vraiment que je le conseille. Voilà, c'est un film donc qui, pour moi, m'a sensibilisé en tout cas personnellement sur les problèmes de corruption et d'injustice dans le système carcéral américain, en tout cas là-bas. Pour moi, le message, c'est donc il insiste sur la nécessité de réforme et de rédemption à continuer, donc de faire tout pour que, donc, comme le fait le personnage de Brubaker, vraiment il y ait de vraies réformes dans les prisons. Pour que ce genre, en tout cas, de méfaits, c'est-à-dire des assassinats de la part de personnes qui sous-payent d'autres prisonniers pour tuer tel ou tel prisonnier qui gêne, voilà, donc dénoncer ce genre de pratiques. Le film le montre très bien. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une véritable, quand même, je dirais, une narration vraiment bien, bien, bien structurée, bien dynamique. Le film n'est jamais ennuyeux pour moi. Voilà, c'est un film qui dépasse pour moi le simple divertissement, justement parce qu'il offre une réflexion, je dirais, profonde sur les problèmes sociaux et politiques, voilà, de l'époque, qui s'inspire donc d'événements réels et porté bien sûr par des performances remarquables comme celle de bien sûr de l'acteur vedette Robert Redford évidemment et puis des seconds rôles bien sûr comme Yaphet Kotto, hein. Yaphet Kotto, vous avez pu voir qu'il est bien sûr dans ce film. Yaphet Kotto donc qui bien sûr vous connaissez tous Yaphet Kotto pour un rôle célèbre qui est donc je vous le redonne en mille, ce rôle célèbre c'est bien sûr Alien, donc l'un des résidents du vaisseau Nostromo, l'un des passagers, voilà, qui va avoir fort à faire face aux xénomorphes, voilà. Et donc, Brubaker, c'est un film vraiment, je dirais, encore une fois, hein, je parle des films essentiels ici dans cette rubrique. Voilà, donc c'est des films pour moi qui doivent capter l'attention. Vous les faire découvrir, c'est vraiment mon objectif. Voilà, et le but c'est de vous parler des thèmes du film, de vous parler aussi de mise en scène et de vous laisser un souvenir, je dirais, si vous ne l'avez pas vu, d'avoir envie de tenter au moins, même après qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais au moins d'essayer toujours de vous intéresser au film que je présente et d'ouvrir un peu, je dirais, votre horizon cinématographique à d'autres choses. Et surtout dans le passé, puisque, comme je dis, je parle de films rétro qu'il ne faut jamais oublier. Donc, le film nous parle de corruption, d'injustice. Alors, quand je parlais de réforme et de rédemption, donc, Brubaker, je dirais qu'il a le désir, en fait, dans son personnage, de réformer le système pénitentiaire dans lequel il se trouve, en fait. Et puis, donc, bien sûr, il y a toujours la quête de vérité. Donc, sa mission, c'est de révéler, bien sûr, une vérité, de mettre fin aux abus qui représentent pour lui, je dirais, son acte de rédemption personnelle, non seulement pour les détenus, mais aussi pour lui-même, en fait. Voilà, c'est aussi un film qui montre aussi la lutte pour la justice, parce que le personnage de Brubaker se bat, lui, contre vents et marées pour rendre justice aux détenus maltraités, pour exposer les abus commis au sein de la prison. En fait, c'est ça, sa quête de justice. Un film absolument bluffant. Enfin, il est captivant du point de vue de ses personnages, en fait. La quête de justice de Brubaker, elle devient en plus difficile et dangereuse au cours de l'histoire, mais c'est un personnage qui reste déterminé à faire ce qui est juste, et même au péril de sa propre vie, je précise. Donc voilà, ça, c'est important. Voilà, donc, il ne faut pas l'oublier. Autre chose sur lequel je reviendrai, c'est bien sûr la mise en scène. La mise en scène, quand même, il faut en parler. Donc, le style de la réalisation de Stuart Rosenberg, sobre, mais efficace. Voilà, moi, c'est ce que je dirais. Ça reste assez classique. Mais quand il appuie, quand il faut appuyer, par exemple, dans les scènes intenses où il y a des frictions entre détenus ou des frictions avec les responsables de la prison face à Brubaker qui, lui, et le prisonnier, je dirais, rebelle qui vient un peu, je dirais, foutre le boxon finalement, mais de façon, vous voyez, intelligente, pas quelqu'un qui fomente une révolte au sein de la prison, mais en tout cas qui va dénoncer, je dirais, les méfaits, de la corruption, en fait, des dirigeants de cette prison.
Alors attendez, il a déjà été cité Alien. Ah mince, on n'a plus rien à dire alors. Oui, mon cher Master, j'ai cité Alien, bien sûr, pour Yaphet Kotto, évidemment. Voilà, donc déjà, rien que cité Alien, évidemment, Yaphet Kotto, absolument essentiel, hein, évidemment, de citer cet acteur qui a un super second rôle dans ce film. Voilà, donc on le voit ici également, vous voyez, sur ces photos. Donc le film, donc dans sa réalisation, la réalisation de Stuart Rosenberg, ben, c'est, comme je l'ai dit, quelque chose de, qui évite pour moi le côté, je dirais, il n'y a pas de prise de risque dans la mise en scène, mais c'est, comme j'ai dit, c'est efficace parce que les scènes clés, en tout cas, il les valorise bien au niveau des personnages en filmant vraiment au plus près justement de l'action, de ce qui déroule dans la scène, en étant, comment dire, en créant une atmosphère par la mise en scène sombre, oppressante, qui reflète, je dirais, l'environnement carcéral. Dans lequel l'histoire se déroule en fait. Voilà donc une approche aussi dans la mise en scène plus réaliste, terre à terre, qui renforce aussi l'impact émotionnel de l'histoire. Parce qu'il faut en parler. J'estime que c'est une histoire aussi qui a quand même un côté émotionnel fort. Voilà, attendez, je vais vous remettre le lien si vous voulez juste donner votre. N'hésitez pas à venir. Hein, le but de ces nouveaux Retro Movies en live, c'est aussi de vous laisser la parole si vous avez vu le film, bien sûr. Si vous avez vu le film et de venir donner votre avis sur le film. Évidemment, de manière plus, je dirais, positive que négative. Je préfère parler des films que j'aime, évidemment, ici. Ce n'est pas un débat sur Brubaker. C'est vraiment pour partager un même sentiment sur un film, en fait, d'un point de vue du film. Mais. Franchement, pour ne pas aimer Brubaker, c'est ne pas aimer les bons acteurs, c'est ne pas aimer les bons scénarios, ne pas aimer les réalisateurs qui font du bon travail. En tout cas, je ne dis pas que Brubaker est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films, en tout cas, un des meilleurs points de vue sur l'univers carcéral qu'on ait pu voir. Voilà, c'est surtout ça. C'est maîtrisé de bout en bout, ça vous tient en haleine. Moi, j'adore. C'est le cinéma des années 80 de. Et salut encore à Masterfield, parce que je suis en retard sur le chat, des amis, désolé. Voilà, c'est le cinéma que je préfère dans les années 80. C'est vrai que celui-ci, en tout cas, pour moi, a marqué, parce que je ne dirais pas que c'est le film de prison le plus définitif dans le genre, parce que moi, je dirais qu'il y a d'autres films de prison qui m'ont énormément, et surtout à travers des séries comme Oz, par exemple, qui est pour moi la série la plus percutante. La plus dingue au niveau de l'univers carcéral. Mais dans les films de prison, je dirais qu'il y a le film de Edward James Olmos qui s'appelle Sans Rémission, qui est excellent, pour moi un des meilleurs. Puis il y en a sûrement qui vont me revenir en tête, hein, je ne les ai plus. Je crois qu'il y a un autre film avec Redford qui s'appelle Le Dernier Château aussi, qui était pas mal. Mais pour moi, Brubaker est quand même supérieur. Dans le film de prison, il y en a sûrement d'autres. Ah bah, il y a le film avec Clint Eastwood, hein, si vous vous souvenez bien, que j'adore. Et le film de Clint Eastwood qui s'appelait donc, vous savez, L'évadé d'Alcatraz. Donc, Brubaker n'est pas le premier film de prison, évidemment. C'est un film qui illustre vraiment pertinemment le genre parce que surtout, il s'inspire d'une histoire vraie. Et c'est ça que moi, je tenais à souligner dans ce film, c'est que le film. Tient un propos réaliste dans sa narration, dans son histoire, tel qu'il décrit les personnages, et surtout pour traiter d'une histoire comme ça, quand même assez forte du point de vue de ce que Redford, son personnage, apporte à ses prisonniers, à ses détenus qu'il va tout faire pour défendre, à qui il cherche à donner de meilleures conditions, je dirais, de détention, parce que c'est là. Mais surtout, le message du film qu'il faut retenir, surtout dans Brubaker, c'est que c'est un film qui dénonce la corruption d'un système judiciaire à travers des pratiques vraiment, ben, on peut le dire, vraiment brutales, des pratiques, je dirais, cruelles au sein de la prison. Voilà. Et donc, je salue également Patrick qui est arrivé sur le chat. Salut mon cher Patrick. Et Patrick nous cite la série, bien sûr, j'allais l'oublier, Orange is the New Black, une série autour d'une prison, cette fois-ci féminine, qui est une excellente série également. Je l'ai pas vu jusqu'à la fin encore, moi. J'en étais à 2 saisons quand j'ai arrêté Orange is the New Black, mais je devrais continuer parce que je crois qu'il y a 5 saisons. Voilà, donc c'est un film pour lequel Brubaker, encore une fois, il fait partie des films américains, je dirais. Pour moi, qui compte dans cette mouvance, je dirais, de films qui osaient montrer des choses
qu'on ne montrerait peut-être plus aujourd'hui dans le cinéma, et même dans le cinéma français encore moins, mais dans le cinéma américain, vu qu'il est de plus en plus, je dirais, aseptisé, édulcoré. Évidemment, des films comme Brubaker sont essentiels pour montrer, je dirais la monstruosité, quelque part, de ce qui peut se passer dans les coulisses, notamment de cette prison, et comment on maltraite, en fait, les prisonniers, comment, on se sert, en fait, du système, je dirais, de la loi, pour la détourner et pour en faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça aussi le but de ce film. C'est vrai que, comme dit Grégory Brubaker, bien sûr, moi je suis d'accord avec Grégory, le film Brubaker brille par son jeu d'acteur. Que ce soit Yaphet Kotto en second rôle, bien sûr, Redford, je ne vais pas le citer, mais même tous les seconds rôles, la pourriture que joue Everett McGill, par exemple, en gardien de prison, vous avez également le personnage du dirigeant de la prison. Je ne sais plus, je crois que c'est Murray Hamilton, qui est excellent. La réalisation, comme je l'ai dit, elle est sobre, mais elle reste efficace dans les moments forts du film quand même. C'est aussi ça l'intérêt. Donc, pour moi, c'est un film qui compte, évidemment, dans le cinéma américain, évidemment. Évidemment qu'il compte. C'est un film qu'il ne faut pas oublier de par ses qualités, je dirais, scénaristiques, évidemment, puisque c'est... Pour moi, ce qui fait vraiment l'intérêt d'un bon film, ce qui fait l'essence même d'un grand film, c'est son scénario, avant toute chose, au-delà de l'aspect visuel. Et c'est vraiment l'histoire, pour moi, qui fait que le film va me marquer. S'il y a des personnages forts, s'il y a une écriture vraiment touchante qui réussit à m'émouvoir au niveau des personnages, qui réussit à m'interpeller, là oui, je dis oui, banco, c'est comme ça que je marche à l'ambiance d'un film. C'est comme ça que je marche à l'ambiance d'un film. Excusez-moi, je lis vos commentaires en même temps et j'essaie d'expliquer en même temps en même temps, je parle du film, donc pas évident de suivre en même temps les deux. Mais c'est pas un film sur la vie de belle-fille de Jean Becker. Non, je crois pas, non, Master. Non. Oui, donc, attendez, je vais rattraper vos commentaires, mais je suis en retard hein, sur beaucoup de commentaires. Grégory qui dit j'aime beaucoup Brubaker mais j'ai pas grand chose à dire dessus donc j'écoute religieusement, merci Grégory. Le match commence, bah écoute vas-y hein, mon cher Terry, et à plus, bonne soirée. Oui j'ai cité donc Patrick, Masterfilm, Space Labs alias Olivier Labbé, oui bien sûr j'ai cité Oz, oui je pense que Midnight Express c'est un film carcéral aussi mais vraiment, qui n'a rien à voir avec le système américain, évidemment, puisque c'est une prison. Le système en Turquie, en tout cas, totalement. Les lois n'ont rien à voir avec ce qu'est le film de prison américain. Oui, donc pour moi, c'est quand même un film carcéral, hein, Midnight Express. En tout cas, c'est ce que je pense. Et Redford et McGill, bien sûr, défoncent tout. Acteur au top, également. J'essaie de... Midnight, film carcéral, bien sûr, nous dit Space Labs. Dans la dernière scène, Redford passe toutes ses émotions à travers ses yeux, très fort. La dernière scène, parlons-en. La dernière scène de ce film, Brubaker, est une des meilleures que j'ai pu voir dans le cinéma. Vous voyez, c'est encore une fois la preuve du talent de certains scénaristes américains. Et puis, bien sûr, comme... Alors, je finis ma phrase. La preuve du talent des scénaristes américains de l'époque... qui était capable vraiment de vous foutre des scènes qui concluaient de manière vraiment intelligente, quoi. Je veux dire, une histoire, et c'est ça qui est fort. Et je tiens à signaler Patrick qui nous parle de Meurtre à Alcatraz, qui est un des meilleurs films de prison que j'ai pu voir également, de Mark Rocco, avec donc un super Kevin Bacon dedans, qui était absolument génial dans ce film, et puis un Gary Oldman, pareil, au top. Ouais, bien sûr qu'il y a eu des très bons films de prison, mais pour moi, Brubaker fait partie vraiment des meilleurs du genre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Brubaker ? Évidemment, je pourrais vous parler, bien sûr, d'après ce que j'ai noté. Brubaker, ça a été un film qui a été bien accueilli déjà par la critique à sa sortie, devenu un classique du cinéma carcéral. Le film, donc,
Il a été salué donc, pour sa représentation réaliste et sans compromis du système pénitentiaire américain, pour sa capacité, c'est ce que je disais tout à l'heure, à susciter une réflexion sur les questions sociales importantes telles que la corruption et la justice, comme je disais au début de cette vidéo. Donc, pour moi, et si je devais conclure bien sûr sur ce film, parce que je ne vais pas faire aussi un monologue de 3 heures sur le film quand même, Brubaker, film puissant, émouvant, qui offre une analyse perspicace du système pénitentiaire américain et de ses failles. C'est là aussi, réfléchissez bien, le film dénonce les failles du système, et ça, moi, j'adore. Il y a un autre film dont je parlerai, de Norman Jewison, que j'adore, sur les failles du système de la justice américaine, qui s'appelle donc Justice pour tous. Si vous n'avez jamais vu, avec Al Pacino, Justice pour tous, mais foncez, c'est un des meilleurs représentants du film de procès. D'ailleurs, autre film, mis à part les films sur l'univers carcéral que j'adore, c'est les films de procès. Justice pour tous dénonce, je dirais, les failles du système judiciaire américain à travers un film de procès absolument brillant. Et bientôt, je parlerai d'un film de Sidney Lumet que j'adore, qui s'appelle Le Verdict. Attendez, je vais baisser la musique, parce que c'est un peu fort. Pas que je mette trop fort. Voilà, parce qu'on ne va plus m'entendre. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a d'autres films, bien sûr, qui ont brillé dans le genre, comme donc Justice pour tous. Alors, c'est différent, Justice pour tous. Mais en tout cas, je voulais vous citer ce film. Et surtout, je reviendrai sur Le Verdict de Sidney Lumet. Voilà, donc pour Brubaker, voilà, c'est un film qu'il faut absolument que vous devez de découvrir. Si vous ne l'avez jamais vu, si vous l'avez déjà vu, ben de le revoir, parce que c'est toujours un régal de revoir ce film. Pourquoi ? Ben pourquoi ? Parce que quand vous avez un bon scénario, des acteurs, un jeu d'acteurs, comme disait Greg, au top, voilà, c'est absolument essentiel de découvrir un film comme Brubaker, un film qui parle. Voilà. Et ah oui, impossible. Salut mon cher Babas. Tu me dis, je suis ce live avec intention, mais impossible de participer au chat sur l'appli YouTube console. D'accord, ok, bah, je comprends, t'inquiète pas. En tout cas, j'espère que tu l'as vu ce film, Olivier. Voilà. La musique, Buffalo Grill, pas mal, Master. En tout cas, il y a un peu de country aussi dans Brubaker, il y a un peu de styles différents. Brubaker, c'est le négatif de Luc La Main Froide, qui est un autre excellent film de prison, du même réalisateur d'ailleurs, excellent, Shadow Company, et bienvenue à toi. Voilà, Geronimo aussi, que j'avais pas salué. Brubaker arrive juste après le premier film de Michael Mann, tout à fait, qui est un très bon film de 79, je crois, ou 78, hein, corrigez-moi si je me trompe, Geronimo, comme un homme libre, qui raconte aussi la vie en prison à travers le prisme de la course à pied. Oui, tout à fait. Mais Brubaker, lui, comme il est inspiré d'une histoire vraie, est un film qui va beaucoup plus, je dirais, plonger, je dirais, dans le système corrompu, en fait, de corruption, en fait, pénitentiaire américain de l'époque, pour dénoncer vraiment des pratiques, comme je l'ai dit, douteuses, des pratiques qui font appel à la violence envers les détenus. Voilà. Donc, franchement, le film, pour moi, donc, ou de sa distribution, bien sûr. Il ne faut pas oublier les autres acteurs. On parlait que c'est un film vraiment qui fort sur le met en valeur le jeu d'acteur, comme Yaphet Kotto, bien sûr, l'acteur noir américain que j'adore, Jen Alexander, qui joue la journaliste, hein, je n'ai pas précisé tout à l'heure, elle joue la journaliste locale, voilà, comme je le souligne maintenant, qui aide Brubaker donc, dans sa quête de réforme. Parce que le film, et je conclurai là-dessus, les amis, voilà, parce que ce soir j'ai un autre live, une diffusion plutôt sur Twitch, hein, qui attendent ceux qui le veulent bien, alors dans un style tout à fait différent, mais je vais vous le dire en conclusion de ce live. Donc le film, ce Brubaker, est un film qui dénonce, voilà, enfin, qui donc nous parle de réforme, en fait, la réforme de la prison américaine. Et tout le parcours, la quête de vérité, bien sûr, de Redford dans le film, c'est d'arriver donc à cette réforme des prisons, de sa prison, puisque, évidemment,
c'est sa prison en tout cas qui est laissée à travers aussi celle qui va... Et c'est sa prison qui défend en fait dans le film, puisqu'il va la prison d'un autre, une prison de l'Arkansas, mais c'est un directeur de prison qui veut absolument réformer pour changer le statut, je dirais, des dirigeants et défendre aussi, je dirais, les prisonniers, les détenus pour que change, je dirais, la maltraitance aussi de, je dirais, de ceux qui utilisent le pouvoir comme comme à leur gré, quoi, en fait. Voilà. Donc, vous parlez de Michael Mann, oui, tout à fait. À signaler la chaîne de Mr. Paradise, excellent. Master Phil, qui bientôt nous fera sa chaîne, je l'espère, une chaîne apparemment éphémère, comme Eddie Master. Voilà. Donc, si vous avez, puisque je pense que, voilà, ça fait 44 minutes, je pense vous avoir dit l'essentiel, quand même, de mon point de vue à moi, bien sûr, comme toujours, à travers ces rétro movies de ce film-là en particulier. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vraiment que je présente ce film pour vous donner envie de le voir. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup dans ce chat qui l'ont déjà vu, comme Patrick, comme Masterfield, comme bien sûr Space Labs, Navivant. Navivant, il a dû le voir, je pense, Brubaker, évidemment. Voilà, Navivant, je tiens à te dire que je t'inviterai sur un de mes lives. Je viendrai sur l'un des tiens également dès que je peux. Là, j'ai pas pu cet après-midi parce que je préparais 36 choses en même temps. Mais j'aimerais beaucoup que tu viennes un jour, bien sûr, sur un de mes lives. Ainsi que j'ai invité Ciné, je ne sais plus comment il s'appelle, Ciné 90, là, l'un des invités réguliers de Patrick. Je vais terminer, les amis, en disant que. En citant, bien sûr, parmi vous, donc Patrick de la chaîne Actua Série Ciné, chaîne, bien sûr, que, dont je vais vous mettre le lien pour aller voir et encourager la chaîne de Patrick, qui est une excellente chaîne aussi, qui parle des films, justement, qu'on adore, ces films d'antan, ces films qui ont fait briller le cinéma de genre des années 60 à 90, et même avant les années 60, n'oublions jamais ce qui s'est tourné avant. Voilà. Sachez que j'ai ouvert... donc, je vais mettre le lien de la chaîne de Patrick, hein, parce que c'est important. Êtes-vous la faux juste un instant. Le temps que je trouve le lien. Et je voulais vous parler aussi d'une nouvelle rubrique concernant ma chaîne, donc, que je viens de commencer hier. Alors, cette rubrique, c'est une rubrique thématique pour partager des films, en fait, voilà, qui sont diffusables sur YouTube, évidemment, qui sont autorisés, dont le contenu est autorisé. Sinon, bah, je ne les diffuserai pas, évidemment. Des films rares, méconnus, des films de tous les genres. Ça peut aller du nanar, il y a vraiment tous les styles. Voilà, je mettrai de tout, mais des films, en tout cas, beaucoup plus, dont on parle moins, etc. Mais il y aura de très bons films également dans ce lot, parce que croyez-moi, on est loin d'avoir tout exploré. Voilà. Voilà. Donc, je tenais aussi à signaler donc, Patrick et Olivier de la chaîne Actua Série. Très bonne chaîne que je vous recommande. Ils font des lives tous les mardis et même le vendredi parfois. Enfin, voilà, ils en font régulièrement. Regardez bien leur programme, ça vaut le coup. Juste un instant, les amis, parce que je cherche quelque chose, un lien pour vous le donner. Parce que je fais 36 choses en même temps à chaque fois et c'est pas évident de tout gérer. Juste un instant, hop là, voilà, juste un instant, voilà, je vais vous mettre donc le dernier lien de la dernière vidéo de la chaîne de Patrick qui nous parlait de la folie des grandeurs, sur laquelle d'ailleurs j'étais venu participer. Donc voilà, je vais vous mettre le lien tout de suite. N'hésitez pas. Voilà, là vous avez la chaîne donc de Patrick Actuaciné. Je viens de vous mettre le lien juste au-dessus. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus pour vous dire, bah écoutez, foncez sur ce Brubaker. Alors vous pouvez reconnaître, regardez, j'ai oublié de vous dire une chose. Comme quoi les second rôles sont très importants dans ce film. Vous avez également au fond. Vous aviez David Kiss, hein, dont j'ai parlé, qui est un des seconds rôles, mais vous avez également
Vous avez également au fond, vous avez donc Everett McGill, hein, vous reconnaissez Everett McGill qui jouera dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, au fond, avec la casquette, qui est un des matons du film, ou un des prisonniers, mais qui, lui, est plutôt une pourriture dans son genre. Voilà. Et puis, il y a Joe Spinell, Joe Spinell qu'on verra dans Maniac, le fameux Maniac de William Lustig. Voilà, donc très bonne distribution. Alors, bien sûr, il n'y a qu'un seul rôle féminin, c'est Jen Alexander, et franchement, elle le fait très bien. Voilà, donc oui, il y a Joe Spinell qui ne se recoiffe pas l'arrêt, mon cher Masterfield, qui ne se recoiffe pas avec son peigne, je te le dis. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, n'oubliez pas que dans ce Retro Movies en direct live, vous pouvez intervenir une fois que j'ai fait la présentation du film. Alors, attendez, j'ai une dernière chose à vous dire, et ça, je voulais le dire quand même. J'ai oublié de parler quand même de Stuart Rosenberg, juste une dernière chose sur Stuart Rosenberg, réalisateur. Donc, si vous avez, si je peux vous conseiller quelques films de Stuart Rosenberg qui est décédé, qui nous a quitté en 2007 à 79 ans, donc retenez bien ces films-là. Il y a Luc la main froide, film de prison excellent avec Paul Newman. Vous avez aussi Wooza, un autre film, un film fleuve, un film choral avec Paul Newman également. Vous avez Les Indésirables. Vous avez Le flic ricanant avec Walter Matthau. Vous avez un excellent film d'espionnage qui s'appelle La toile d'araignée avec Paul Newman, sur lequel je ferai une vidéo. Vous avez l'excellent aussi film choral, Le voyage des damnés, voilà, sur l'histoire d'un voyage assez... un voyage historique, inspiré d'une histoire vraie, encore une fois, qui parle du paquebot, vous savez, en 1939, qui avait des réfugiés juifs allemands qui fuyaient l'Allemagne nazie. Donc, très, très grand film aussi, celui-ci. Vous avez bien sûr le premier chapitre d'Amityville, La maison du diable. Enfin, moi, c'est un de ceux que je préfère, même si mon préféré reste le 2, mais en tout cas, le premier, j'aime beaucoup. Vous avez le film avec Bronson, avec les compliments de Charlie. Vous avez, bien sûr, l'un de ses derniers films, Le pape de Greenwich Village. Voilà. Donc, c'était juste pour vous citer les films de Stuart Rosenberg, les amis. Voilà. Donc, je vais cette fois-ci vous quitter après ces 52 minutes de live. Et merci à tous. Voilà. Merci à tous d'avoir d'être venus pour suivre. Parce que je suis sympa, je vais bien remontrer ma bouille une dernière fois avant de partir pour vous faire un coucou quand même. Voilà, je suis là, les amis. Et je suis content donc de vous présenter à chaque fois de nouveaux Retro Movies pour vous inciter à plonger dans le cinéma de cette époque, de la grande époque des décennies incontournables du cinéma de genre, celui qui restera éternel à mes yeux. Mais excusez-moi si j'en fais trop, mais c'est ma nature, c'est moi, c'est ce que je suis et je ne pourrai pas changer cela. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Merci donc à Greg, merci à Cookie Doug, merci à Space Lab, merci à Patrick, merci à Olivier, Babas, merci à Navivant. Navivant, tu seras bienvenu bientôt sur un live parce que je tiens à t'avoir également sur une de mes émissions. Voilà, Masterfield, un live sans Greg, unique tout à fait, un live sans Greg. Et n'oubliez pas, j'ai ouvert une nouvelle thématique sur la chaîne qui s'appelle Ciné Flashback, qui donc diffuse des films rétro des années 60 à 90 dans tous les genres. Une initiative qui, j'espère, vous plaira, vous permettra de voir d'autres pépites du cinéma en dehors de celles que je diffuse sur YouTube et sur Odyssée ou sur Twitch. Sur Odyssée, sachez que ce sera des films beaucoup plus qui sont inregardables, enfin qui sont pas diffusables sur YouTube ou Twitch, tout simplement. Sur Odyssée, ce sera réservé, je le précise, à des films, parce que là, tout est possible sur Odyssée, mais ce sera réservé à des films particuliers qui sont, strikés sur d'autres chaînes courantes comme YouTube ou Twitch. Voilà. Donc, sur Odyssée, c'est possible. Je l'ai fait pour Avoir 20 ans de Fernando Di Leo. Voilà. Donc, vive la non-censure, les amis. Vive le cinéma de genre. Bien sûr, je n'occulte pas tout dans le cinéma de genre d'aujourd'hui. Attention, je reste aussi quelqu'un qui va au cinéma. J'ai été voir Dune partie 2 et je ferai un article que vous aurez cette semaine dans l'excellent Burn After Streaming, le site, parce que je fais des articles, je vais faire des articles sur Burn After Streaming et quelques émissions. Et puis, je participerai vendredi prochain à l'émission donc
de Denis, la chaîne de Denis, le rendez-vous des cinéphiles, où on reviendra sur Dune partie 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Le lien Odyssée, je vais te le donner tout de suite, Lily Fab. Juste le temps que j'aille le chercher, je te le donne. Alors, attention, Odyssée, il y a des conditions. Il faut juste, je crois, vous inscrire. Voilà, pour pouvoir accéder au chat. Voilà, et à la chaîne, en fait, il faut s'inscrire. Bon, c'est pas très compliqué, les amis, mais vous inscrivez et ça le fait. Allez, je vais, avant de partir, donc donner le lien d'Odyssée. Juste un instant. Attendez, je suis paumé. Je ne trouve plus le lien de ma chaîne. Voilà, je vais vous donner le lien d'Odyssée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, Odyssée. Juste un instant. Voilà, donc toutes les vidéos que je mets sur YouTube, évidemment, sont transférées sur Odyssée. Voilà. Sachez-le, automatiquement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du dernier live donc consacré au film du dernier lien consacré Attendez, je vous mets le lien, voilà. Voilà, voilà, il arrive. Je vais le mettre tout de suite. Juste un instant, parce que il faut que je jongle entre toutes les fenêtres, là. Je vais vous le mettre tout de suite. Voilà le lien d'Odyssée qui vous amène directement à la chaîne sur une des vidéos. Voilà, vous avez le lien de la chaîne. Voilà, donc merci. Merci donc à vous tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve donc normalement à quand live sur les slashers. Oui, c'est prévu avec ce cher Terry qui est un fan de slasher. Ce sera donc la prochaine thématique. Alors avant, il y a Brian De Palma le 29 mars. Sachez qu'il y a un live sur Brian De Palma, bien sûr. On reviendra sur les films emblématiques, non pas sur toute la carrière, mais les films emblématiques de Brian De Palma. Cinéaste incontournable à qui il fallait enfin rendre vraiment remettre en lumière, parce qu'attention, il n'est pas mort, hein, je précise, et longue vie à toi, mon cher Brian. Voilà, il fallait rendre un hommage, bien sûr, à Brian De Palma. Mais attention, je parle hommage parce que c'est de son vivant, hein, voilà, d'accord. Et le prochain live, oui, bah, il fait un live déjà, Terry. Oui, je pense qu'on fera un live sur les slashers parce que ça le mérite. Voilà. Merci, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de live hein, si vous en avez. Merci à tous, je vais vous laisser sur la musique excellente de Brubaker. Je vous dis à tout à l'heure pour les fans donc, qui veulent retrouver sur Twitch un classique du film d'horreur macabre à l'ancienne aussi de 1979 alias donc Zombie 2 alias L'Enfer des Zombies en français alias du grand maestro Lucio Fulci bien sûr. Donc film qu'on va repartager tous ensemble en diffusion ce soir sur Twitch. Vous aurez le lien à 20h50-55 et j'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas. Et ensuite, bien sûr, vous aurez donc deux épisodes de série télé, Le Voyageur, Chapeau-moi le bottes de cuir et peut-être un autre petit épisode car moi, demain, évidemment, je travaille plus tard donc je peux me permettre de terminer plus tard ce soir. Salut à tous. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Vous êtes au top. Cœur sur vous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, on se retrouve, ben, pour ceux qui le veulent, tout à l'heure sur Twitch. Bisous à tous et à très vite. Bye bye. Et foncez voir Brubaker pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ciao, ciao. Merci les amis. Bye bye. Ciao. Et je vous laisse sur la musique de Brubaker, justement, de Lalo Schifrin. N'oubliez pas ce nom, Lalo Schifrin. Bye bye. Ciao.